hydratée. Voilà. Crash test du fond de teint Foundation Shine Control. Le fond de teint mat de chez Max & More, de chez Action. C'est le 127 Soft Beige. Il est à 1,59 €. Et je viens aussi faire un crash test sur la nouvelle palette, la Really Truly Gorgeous Eyes. Voilà, la nouvelle palette de chez Action. Et je me suis trompée dans ma vidéo Action. Je vous disais que si j'en trouve une, je disais, je ne pensais pas en trouver une, mais si j'en trouve une pour le concours de Noël, je vous en ferai gagner une. Je pense faire deux concours ou un concours, je verrai. Donc, c'est cette palette-ci que je vais donc crash tester, hein. Voilà. Donc, on va commencer par le fond de teint. Donc, j'essaierai de faire des méthodes, enfin, pour accélérer un peu la vidéo. Pour cela, je vais demander à mon fils parce que je ne suis pas très douée pour faire les montages. Comme vous avez pu le constater dans ma vidéo des produits terminés, je m'en excuse. Donc, comme vous voyez, je ne l'ai pas du tout ouvert. J'ai acheté hier. Donc, je ne pense pas vous poster peut-être sur cette vidéo dimanche. Je pense vous la poster dans la semaine. Donc, c'est vraiment très, très bien emballé, hein. Donc, c'est celui-ci, le Foundation Matte, le Shine Control 127 Soft Beige. J'espère que ce ne sera pas trop foncé pour ma carnation. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Fond de teint avec effet matifiant pour votre peau, pour une peau lisse. Alors, moi qui ai la peau grasse, j'espère que ça va aller. Donc, c'est parti. Je vais l'appliquer avec un beauty blender, enfin, une éponge de maquillage, hein. Voilà, il a l'air assez épais. Donc, je ne le connais pas du tout. Je ne l'ai pas encore testé. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup, surtout s'il a un effet matifiant. 1,57 €. 1,59 €, à voir si ça fait effet. Donc, c'est parti. Donc, j'essaierai d'accélérer la vidéo. Donc, je l'applique comme ceci. Oh, par contre, avec la luminosité, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment top. Voilà. Il a l'air relativement couvrant. J'en mets aussi sur les paupières, le cou. Il a l'air de plutôt bien s'étaler pour l'instant. Donc j'en rajoute pas plus. J'applique mon anti-cerne qui est toujours le même, hein, celui de chez Maybelline. J'arrive à le retrouver. Voilà, c'est celui-ci, l'effaceur yeux. Enfin, ce fond de teint a l'air relativement couvrant. Donc là, il est 14h15. Je reviendrai, comme je ne vous posterai pas la vidéo en fin de journée pour vous dire, vers les 20h ou 20h, 21h, pour vous dire s'il a tenu ou pas, ainsi que le make-up. Alors le make-up, évidemment, je vais appliquer une base, hein, quand même. Ah, je pense que vous voyez bien. Heureusement que j'ai mis quand même une lampe artificielle. Enfin, la lumière artificielle plutôt. Donc, voilà ce que ça donne. Plutôt un bon résultat pour l'instant. Vous voyez, ça matifie bien. Enfin, ça matifie bien. Ça a une très bonne couvrance, moi je trouve.
Voilà. Donc après, comme je vous dis, je reviendrai ce soir pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer. Je vais poudrer avec la Stay Matte. Donc ça, comme c'est pas un produit action, je vais le faire hors caméra et je reviens. Voilà, j'ai poudré mon visage, j'ai fait mon crayon de sourcils, j'ai fait mes sourcils avec le nouveau crayon de chez Max & More, le Eyebrow Pencil. Voilà. Je vais faire le contouring, enfin je vais essayer de faire un peu de contouring avec cette palette-ci, toujours de chez Action. C'est l'ancienne palette de chez Max & More. Je pense qu'on ne la trouve plus, si je ne dis pas de bêtises. Je vais utiliser cette couleur-ci avec un pinceau de chez Winnie. Je pensais que c'était le pinceau de chez Action, mais non, bon, c'est pas grave. Alors je vais faire quelque chose de simple, hein. Je creuse un peu. Évidemment, je vais estomper après, hein. Je réchauffe un peu mon teint. Mais là, pour l'instant, moi, je trouve que le teint est vraiment matifié. À voir si ça tient toute la journée. Voilà. Donc, je vous remontre la palette. Je pense que tout le monde la connaît, hein. Vous avez aussi la lighter. Vous avez des blushs et les bronzers. Et vous avez deux poudres. Voilà. J'aurais pu utiliser cette poudre-ci. Et comme je veux vraiment finir ma Stay Matte de chez Rimmel, qui est plutôt pas mal, hein, elle est vraiment top pour un petit prix. Elle est à moins de 10 euros, il me semble. Comme je tiens à la finir, j'ai celle-ci à finir et celle de chez Primark. Bon, elle est plutôt top, hein, celle-ci, hein. Celle de chez Primark aussi, d'ailleurs. Donc maintenant, on va appliquer une base à paupières. Hop. Donc j'applique la base, la Shadows Insurance. Voilà, j'en applique donc sur les paupières. C'est parti. Moi, j'ai la peau assez grasse, donc il vaut mieux que j'applique quand même une base à paupières. Donc, ensuite, nous allons passer à la palette, qui est magnifique. Il y a même un miroir dedans, c'est vraiment assez pratique. Vous voyez les couleurs? Alors, je vais utiliser cette couleur-ci pour unifier la paupière, qui est un peu un beige. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser comme pinceau. Je sors déjà mes pinceaux. Voilà, je vais unifier avec ce pinceau-ci. Bon, elle a l'air quand même un peu assez poudreuse, hein. Donc je l'applique sur toute ma paupière. Donc voilà ce que ça donne. Bon, comme c'est une couleur chère, on ne voit pas trop non plus, hein.
Alors, j'ai bien envie de faire le creux de paupière avec ce magnifique prune irisé. En utilisant cette partie-ci, c'est de la Naked Vis 2. J'en applique sur le côté. Hop. Alors, je ne suis pas une pro du make-up, hein. Je tiens à le repréciser. Et non, je ne vais pas prendre de cours chez Sephora, comme a dit une abonnée la semaine dernière. Voilà, c'est dit. Elle se reconnaîtra si elle me suit toujours. Ben, c'est plutôt marrant des commentaires comme ça. Hein. Vous voyez, elle est quand même relativement pigmentée. Évidemment, je vais bien estomper après, hein, parce que là, ça fait pas très très. Donc j'estompe, j'estompe. Voilà. Ensuite, j'ai bien envie d'utiliser un peu de rose. Je vais voir ce que je vais faire avec. Je vais l'utiliser juste en dessous le rouge un peu. Pour l'instant, la palette, comme vous pouvez le constater, est quand même relativement bien pigmentée. C'est sûr que si on humidifie les pinceaux, ce sera d'autant plus intense. Vous voyez? C'est un rose mat, hein, par contre. Oh, par contre, il faut avoir la main légère parce qu'il est très très pigmenté. Donc il vaut mieux secouer son pinceau, hein. J'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas trop de chute là, ça va pour l'instant. Voilà ce que ça donne déjà. Je vais estomper tout ça pour bien mélanger les deux couleurs. Et ensuite, je vais utiliser ce magnifique blanc nacré, blanc neige un petit peu, au doigt, pour apporter une touche de lumière sur la paupière mobile. Pigmentée, hein, cette palette, hein, franchement. Je sais pas si vous verrez bien. J'en rajoute de l'autre côté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce make-up. J'aime beaucoup les couleurs. Je pose mon trait d'eyeliner et je vous reprends après. Voilà, j'ai posé mon eyeliner. J'ai renettoyé un peu les bords sous les yeux. Il n'y avait vraiment pas de chute, hein. Je regarde de nouveau. J'ai posé du rouge à lèvres. Alors, j'ai posé le crayon Essence. Je remplis mes lèvres et j'ai fait le contour des lèvres. C'est le Kajal Pencil de chez Essence, le 24 Pretty in Fuchsia. Et j'ai posé par-dessus le rouge à lèvres de chez Urban Decay. C'est le Backfire
C'est un métallisé, c'est un magnifique rose violet. Se présente comme ceci. Je vais en remettre un petit peu d'ailleurs. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer au mascara de chez Max & More. Je vais y arriver. C'est le waterproof. Alors, je l'ai déjà testé depuis un petit moment. Je le teste depuis un petit moment, hein, depuis 3 semaines, il me semble. Je voulais vous le montrer. Voilà. Donc, je vais vous faire voir le résultat. Je l'applique et je reviens. Alors, voilà ce que ça donne le mascara. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'en ai mis pourtant qu'une couche. Je vais en replacer, je vais en appliquer une deuxième couche. Il est plutôt top. Il y a beaucoup d'avis négatifs sur YouTube, mais moi je l'aime beaucoup celui-ci. Bon, il faut avoir des longs cils quand même, hein. Petit inconvénient, c'est pour replacer l'applicateur dans le bouchon. Comme vous voyez, c'est pas très très pratique. Mais à part ça, moi je le trouve plutôt top pour moins d'1 €. Hop, il est vraiment top, franchement. C'est un waterproof. Moi je l'aime beaucoup. Je vous montre les résultats des cils, comme ceci. Et voici le make-up des yeux et du teint. Donc je vous marquerai. Ce que j'en pense, soit je reviendrai ce soir pour vous dire ce que j'ai pensé de la tenue du fond de teint. Voici le make-up des yeux. Alors, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Mais franchement, pour l'instant, première impression plutôt top, hein, pour cette palette à 2,95 €, il me semble. J'ai donc utilisé cette couleur-ci. J'ai utilisé, que je ne me trompe pas, celle-ci, la rose. Et en point de lumière, enfin là juste au bord, j'ai utilisé celle-ci. D'ailleurs, on pourrait le mettre en point de lumière. Je suis en train de penser. Je vais attraper un petit pinceau comme ceci pour apporter une petite touche de lumière ici. Voilà ce que ça donne. On verra peut-être pas le point de lumière. Voilà ce que ça donne. Donc, première impression plutôt top. Bon, un peu poudreuse quand même, hein, comme toutes les petites palettes de chez Action, mais elle est vraiment magnifique. Franchement, pour 2,95 €, elle est vraiment plutôt top, hein, cette petite palette. Le fond de teint, première application, pas mal aussi, hein. Donc, je vous recommande ces produits. Et soit je reviens ce soir, soit déroulez bien la barre d'infos et je vous dirai si ça a bien tenu ou pas. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Je reviens. Il est 8 h moins le quart pour vous faire le bilan de mon make-up, de mon crash test Action. Donc, pour les yeux, comme vous voyez, ça n'a pas bougé du tout. Voilà. Donc, je vous remontre la palette. Moi, je la valide à 100%. Voici les couleurs. Donc, évidemment, il faut quand même poser une bonne base, hein. Elle est quand même un peu poudreuse. Et comme vous voyez l'état de la palette, sans plus que ça, hein. Ça s'est pas non plus complètement désagrégé, hein. Le fard blanc, je l'ai pris au doigt. Sinon, c'est une très très belle petite palette avec un très grand miroir, un très beau packaging. Moi, je dirais qu'elle vaut aussi bien les grandes marques, hein, on va dire ça comme ça. Par contre, le fond de teint, bah moi je m'en doutais, en ce moment j'ai les cheveux gras, la peau grasse. Le fond de teint Foundation Matte de chez Max & More, bah, comme vous voyez, sur le front là, on peut voir nettement que ça brille. Là vers le nez,
Bah, carrément, là, c'est carrément affreux, quoi. Là, j'ai pas fait de retouches, mais c'était pas l'envie qui m'en manquait au bout de 3 heures. Là, sur le menton, c'est pareil. Sinon, vers les joues, ça ne s'est pas déplacé. La matière ne s'est pas déplacée. Ça a bien matifié. Bah alors, la zone T, carrément, c'est gras de chez gras. Hein. On peut voir que là, je luis vraiment. Hein. Donc, la palette, je la valide à 100%. Voilà, franchement, foncé pour 2,95 €. C'est vraiment de la bombe, cette palette. Je pense que ça va être l'une de mes chouchous ces prochains jours. Hein. Je vais l'utiliser ces prochains jours. Bon, le fond de teint, je vais continuer à l'utiliser. Je vous en parlerai peut-être dans mes tops ou mes flops. Hein, pour voir. Bah là encore aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Donc je me demande quand je vais travailler, s'il faut que je fasse 3-4 touches, ça va peut-être un peu me saouler. Hein. Donc bon, pour 1,59 €, on ne peut pas demander non plus la lune. Mais il est très très couvrant par contre. Comme vous voyez là sur les joues, ça atténue quand même des petites rougeurs, etc. Mais alors nettement ici, le front, le menton, le nez, on voit quand même que ça brille vraiment. Hein. Et pourtant, j'ai utilisé la poudre Rimmel. Voilà, bon, j'en ai pas mis non plus 3 tonnes. Hein. J'ai quand même utilisé la Stay Matte. Long Lasting, la poudre pressée, voilà, de chez Rimmel. Mais à mon avis, il faut vraiment passer des feuilles matifiantes pour vraiment matifier, quoi. Mais je me dis, si je dois le faire 2-3 fois dans la journée quand je vais travailler, ça va peut-être un peu me saouler. Donc, je vous en reparlerai en fin de mois. Je vais la tester encore quelques jours. Hein. Voilà, je vous ferai un bilan. Bah dans mes produits favoris ou flops du mois d'octobre, hein, tout simplement. On est le 21 octobre, donc si je la fais début novembre, je vous en parlerai plus. Je reviendrai sur ce fond de teint d'ailleurs. Voilà, mais sinon la palette, franchement, pour 2,95 €, je valide à 100%. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas bougé. Le mascara est toujours là aussi, il n'a pas coulé, rien du tout. Moi, j'aime beaucoup ce mascara waterproof. Et la palette, je vous la remontre, elle est sublime, elle a un très grand miroir. Bon, les petits pinceaux, je ne les ai pas gardés, ils ne sont pas terribles. Voilà, et vous avez une feuille de protection, voilà, pour protéger les fards. Hein. Donc, la palette, je vous la valide à 100%. Je la valide à 100%. Foncez si vous avez un action près de chez vous. J'espère en retrouver une pour vous en faire gagner une au moment des fêtes de Noël. Voilà. Et par contre, le fond de teint, ben, sinon, si j'avais pas la zone grasse, là, vous voyez, il matifie quand même pas mal. Hein. Mais il faut impérativement faire des retouches si vous avez la peau grasse. Hein, parce que comme vous voyez, ça brille vraiment beaucoup, beaucoup. Sinon, la couleur, je ne me suis pas trompée dans la couleur. Ça me paraissait un peu foncé. C'est la 127 Soft Beige. Donc, la couleur, ça va. Mais alors, point de vue matité, c'est pas le top non plus. Hein, mais bon. Bon, je vous en reparlerai hein, début novembre. Sinon, la palette, je ne pense pas que ce soit un flop. Hein, parce que première impression, au bout de quelques heures, ça a très très bien tenu. Hein. Voilà, donc le mascara, bah, je le teste depuis 3 semaines, donc je l'adore. Hein. Le mascara de chez Action, le waterproof. Eh bien écoutez, voici le bilan au bout de quelques heures. Pour ce fond de teint, bah, pour moi qui n'est pas concluant, si vous ne faites pas de retouches, vous brillez. Hein. Par contre, pour la palette, les fards, bah, comme vous voyez, ça n'a pas bougé du tout. Mais parce que j'ai mis une base aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.